Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre de courir deux fois plus vite sur le zombie de Call of Duty Cold War. Alors pour réaliser ce glitch, il vous faudra au minimum votre spécialiste Tempête Tesla au palier 4. Alors il vous faudra aussi l'atout courir vite pour réaliser le glitch. Donc quand vous avez votre spécialiste disponible, donc avec la jauge complète, là vous allez vous rendre dans les égouts de Moerdertotten. Donc vous allez vous placer et regarder au même endroit que moi sur le gameplay. Et là vous allez voir qu'il y a une sorte de dead barrière qui va vous tuer petit à petit. Donc là ce que vous devez faire, c'est d'attendre qu'il vous reste 49 HP plus ou moins. Et là vous activez votre spécialiste Tempête Tesla et vous vous laissez tuer. Donc dès que vous allez mourir, vous allez disparaître directement. Là ce qu'il faut faire, c'est tout simplement attendre que votre pote passe la manche pour réapparaître. Alors quand vous êtes réapparu, ce que vous faites, c'est que vous allez rechercher l'atout courir vite. Donc à ce moment-là, vous allez voir que vous allez vous déplacer beaucoup plus vite. Genre vous allez courir deux fois plus vite, plus ou moins. Alors une chose qui est très importante à savoir, c'est que pour garder cette vitesse, vous devez appuyer sur Start et changer votre spécialiste. Parce que si vous ne changez pas votre spécialiste et que vous réutilisez votre spécialiste, ben là ça va annuler le glitch. Donc vous changez de spécialiste et comme ça ben vous allez courir super vite pendant toute la game. Alors bien entendu, ce glitch peut fonctionner sur n'importe quelle map. Mais pour que ça fonctionne sur les autres maps, il faut réussir à trouver une dead barrière qui va vous tuer comme dans les égouts de Moerdertotten que je vous ai montré. Donc imaginons vous trouver une dead barrière sur le mode contagion, bah ça voudra dire que vous allez pouvoir vous déplacer deux fois plus vite dans le mode contagion. Donc ça peut vraiment être utile. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Swakulo Mike et ciao. Peace.